Bonjour à vous, je vous accueille en ce lundi, ben voilà, on y est, jour de déconfinement, avec ma petite tête, parce que je n'ai pas très bien dormi, mais j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. À quelle sauce le monde va-t-il nous manger à partir de ce jour et après cette expérience qui, peut-être, dans nos vies ne se reproduira jamais, puisque même pour nos parents, grands-parents, ça n'est jamais arrivé d'être confiné à ce point-là dans le monde entier, de vivre une expérience similaire. Qu'est-ce qu'il en sort? Que dire? Que savoir? Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé, malgré mon esprit un peu embrumé, de tirer les cartes d'une manière spontanée. Vous voyez, je suis en train de les mélanger. Et je vais vous dire aujourd'hui, alors nous sommes dans l'arbre de communiquer, ici, dans les problématiques, puisque vous savez que la troisième ligne parle des problématiques, et dans l'arbre de communiquer, nous étions avec Astar, l'idée d'inventer, je dirais, un nouveau langage, de trouver des nouveaux outils, Astar relié au Butler, et nous avions comme atout, eh bien c'était merveilleux, parce que nous avions notre enfant intérieur, qui savait de manière spontanée et intuitive comment parler, et comment parler sa vraie langue, sa langue d'origine. Alors qu'est-ce qui nous pourrait nous empêcher de parler notre langue vraie? Eh bien la voilà. Allez, le voilà. Ça prend du temps, mais je préfère prendre le temps. Aujourd'hui je suis lente, je le sens, et je préfère rester dans cette énergie lente et peu vous parler. Donc posez-vous, hop, la voilà, hein, voilà. Nous avons FEMEN. Alors FEMEN, qui est vraiment la carte du yin, du féminin dans toute sa grâce. FEMEN, elle dit, je suis la fleur de mon jardin. Donc ce n'est pas rien. Bien, quand elle est en problématique, comme c'est le cas pour nous, pour cette chronique, hein, elle arrive dans la ligne des problématiques, elle dit... Elle parle beaucoup de désillusion et de désenchantement. Et pour tout vous avouer, c'est dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui, désenchantée, à la veille de ce déconfinement. Une prise de conscience me fait réaliser que quelque chose doit changer dans mon monde, dans ma manière de fonctionner, dans mes acceptations, et elle a entraîné une certaine tristesse et un certain désenchantement. Donc cette carte qui arrive en problématique, elle dit aussi que c'est là que nous devons travailler, que c'est là que nous devons exercer notre attention pour ne pas nous laisser engloutir par ce désenchantement et cette désillusion. Femen, c'est la carte du burn-out, c'est la carte qui dit j'en peux plus de croire, j'en peux plus d'avoir de l'espoir, j'en peux plus d'essayer d'être belle et de fleurir, et que rien dans mon jardin ne me donne le courage de continuer à exercer cet effort de fleurir et de grandir dans la grâce. Voilà ce qu'elle dit. Perte des illusions, désespérance. Ou alors en faire trop parce qu'on a vraiment très envie de plaire, mais là c'est pas tout à fait le cas. Et comme nous arrivons dans le monde, nous arrivons aussi dans un moment où cette carte nous dit qu'est-ce que je vais montrer au monde? Alors, est-ce que le monde va pouvoir m'aimer tel que je suis? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez ce que je suis pour quelqu'un? Fleur antenne, pétale récepteur, j'apprends à rayonner le féminin dans tous ses aspects. Rayonner et non briller, car ce n'est pas le soleil qui m'éclaire, mais l'éclat de la lune qui renvoie la lumière qu'elle reçoit. Alors cette carte, elle est reliée, je prends tout de suite le jeu du volcan intérieur, puisque vous le savez, c'est le jeu qui nous montre nos failles et nos blessures, là voilà. Le jeu du volcan intérieur qu'on a déjà pas mal exploré dans la première chronique. Elle dit j'ai peur de ma propre séduction, comme j'ai peur de ne pas plaire. Vous savez que nous sommes en miroir, donc quand on a peur de ne pas plaire, on ressent une séduction en soi qu'on ne peut peut-être pas exercer. Puis-je plaire dans toute ma dimension de femme? Voilà la question, et qui que vous pouvez vous renvoyer dans vos possibles, et ce qui est dans vos possibles, c'est de certainement pas aller vers les personnes à qui vous ne plaisez pas. C'est peut-être la première leçon que donne cette carte, c'est de tourner son regard ailleurs quand la personne que vous espérez et que vous désirez n'a pas ce regard sur vous. Ce que je montre et ce que je suis dans toutes les dimensions de mon être féminin sauvage et doux, inapprivoisé et prêt à l'accueil. Donc ce Femen, il est en train de vous dire, réveillez-vous, réveillez votre espace personnel et commencez à rayonner là où les gens aiment ce que vous êtes. Voilà la carte initiale. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous montrer dans le jeu des artistes cette carte, parce que la carte qui m'a été renvoyée quand j'ai créé ce jeu avec des artistes singuliers tous, eh bien c'est un homme qui l'a reçu, et je peux dire quelque part que c'est un homme blessé, c'est un homme qui avait eu des problèmes physiques très importants à ce moment-là, et il a renvoyé cette carte où on voit une fleur qui est recousue, c'était des vrais fils. Et pour tout vous dire, c'est l'état dans lequel je me sens aujourd'hui. Je vais recoudre ma fleur, la fleur de mon espérance, parce que Femen parle d'espérance. Et aujourd'hui, où nous sommes dans l'arbre de communiquer, c'est cela qui est demandé. C'est non pas parler de sa douleur, mais parler de l'espérance de sa résurrection en tant que femme ou en tant que féminin pour les hommes, car je m'adresse aussi aux hommes. Si quelque chose a été blessé dans votre grâce et votre reconnaissance, votre féminin, votre réceptivité, c'est cela aujourd'hui sur lequel vous devez vous pencher, et c'est votre enfant intérieur, vous voyez, bosème, l'enfant que vous étiez, qui va vous donner la réponse de comment réparer cette faiblesse et cette douleur que vous ressentez. C'est un jeu assez intimiste aujourd'hui, hein. C'est un jeu qui incroyablement répond à tout mon questionnement d'hier, tardif, du choc que j'ai reçu hier, d'une certaine manière, du choc de vérité que j'ai reçu. Et nous sommes dans le tarot, dans la carte de l'amoureux et du choix. Voilà. En fait, cette carte, elle est très particulière quand on tient les tarots, parce que c'est à la fois une lame de face, vous voyez, il y a trois personnages, et à la fois, ils regardent à gauche et à droite. En fait, dans cette carte de l'amoureux, on nous dit « exerce ton libre arbitre, si tu veux aller vers le chariot, la 7, qui est la carte suivante, nous sommes dans l'arbre d'aimer, c'est comment aimes-tu, tu dois faire le choix à présent de ta manière d'aimer, et c'est dans l'arbre de communiquer, donc c'est une invitation aussi à vous positionner aujourd'hui, et à vraiment prendre conscience de l'amour que vous donnez, qui doit être bon pour vous avant tout, pas pour juste l'autre. L'autre n'est pas qu'un, mais l'autre est un supplément à la réalité de ce que vous êtes. L'autre n'est pas un complément qui va vous faire exister. Donc cette carte dit, fais le choix de l'amour pour toi-même, et du coup, eh bien oui, peut-être qu'on est obligé de créer, de faire un tri dans ces relations. Voilà à quoi cette carte est invitée. Je n'ai pas regardé la lettre associée. C'est pas assez intellectuel aujourd'hui pour moi pour que je puisse vous emmener dans d'autres sphères. Mais ce que je peux vous montrer, en effet, c'est que, vous voyez, dans la mise en place, c'est-à-dire vraiment le départ de notre chemin karmique, nous sommes dans la numérologie du 9, le 6, en numérologie, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour que l'on reçoit, l'amour que l'on donne, l'amour que l'on se donne. Et associé à mon jeu et à cette lecture, elle parle de liberté. Parce que dans l'amour, il y a la notion de liberté d'aimer. Renoncer à jamais à être un mendiant de l'amour. Un mendiant de l'amour ne va récolter que des miettes, et ce n'est pas des miettes dont vous pouvez vous nourrir pour grandir, mais c'est un repas frugal, d'un repas délicieux de tout ce que vous aimez, de tout ce qui va vous embellir et vous donner la pleine beauté de ce que vous êtes. C'est aussi ça le challenge. Quand j'aime justement la personne qui me renvoie ma beauté, je peux exalter à mon tour ma beauté et la répandre et la rayonner à l'extérieur et apporter au monde toutes ces qualités que j'ai à donner dans ma dimension humaine. Nous sommes dans la première ligne. Et ici, vous voyez, Femen qui est associée à l'amoureux, elle parle de choix, je vous l'ai dit. Femen, elle dit, je fais le choix de l'espérance. Aujourd'hui, et je le dis, et à la personne qui se sentira concernée dans mon environnement, je fais le choix de l'espérance. Je fais le choix de grandir telle une fleur magnifique dans mon jardin. Bonne journée à vous et très beau déconfinement et aimez-vous pleinement.